Bonjour à toutes et à tous, c'est Cobra Guru. Je suis donc de retour dans Empyrean Galactic Survival pour essayer de finir ce tutoriel, ou du moins pour essayer de finir cette partie. Donc on vient de prendre le téléporteur, on va arriver sur la station et on va voir. On retourne sur la station. Alors j'ai pas les gâteaux, mais bon, hein, vous avez vu qu'on peut skipper, donc je pense que je vais pouvoir skipper et avancer un petit peu pour voir ce qui va se passer. Évidemment, les gâteaux, je les ai pas. Je vais renvoyer un message aux éditeurs parce que c'est pas logique. J'ai lu quelque part que. Alors attends, où est-ce que c'est que. Encore un peu plus bas. Oups. Voilà. Et j'ai lu quelqu'un qui disait ouais, non, il y a une erreur de description. Et c'est pas qu'il y a une erreur de description, c'est qu'il y a carrément. J'ai jamais réussi à trouver les œufs, moi. J'ai fait de partout, je suis allé X fois à la serre, je les ai pas trouvés. Bref. Oui, voilà, il y a du jambon, mais les œufs, je les ai pas. J'ai jamais réussi à trouver les œufs, donc je pouvais pas fabriquer quoi que ce soit. Voilà. Ah, j'ai pris des radiations. Voilà, donc il me faut descendre. C'est excellent, hein. Et on va donc prendre une douche de décontamination. Hein, vous voyez le niveau de radiation, 4,5, 1. Scanners médicaux. Donc on peut récupérer. Truc, je sais pas, alors gel, coup de chaleur, radiation, empoisonnement. Ah merde, le placard médical. Je vais trop vite. Bon, ça c'est pas traduit en français, mais enfin on le comprend, hein. Aller au niveau D, hein, voilà, on est au niveau B. Et donc on a bien compris que le niveau D, voilà, c'était en bas. Yop, voilà. Ouvrir le conteneur. On prend. Substrat, on referme le conteneur. Allez.
aller au réservoir de carburant. Ouch! Ça fait mal, ça. Voilà, donc j'ai activé le jetpack. Wow. Allez, ça. Alors, on met le noyau dans la barre d'outils, comme d'habitude. Alors, je place le noyau. Et si je savais où je dois le mettre. Aïe, 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 je suis allé trop vite, comme d'hab. Bon, alors, repérez les marqueurs orange au plafond. C'était dégoûtant. Oui. Ah, il faut que je coupe mon jet. Le scanner, pour le moment, j'en ai moins besoin. Mais pourquoi j'avais la... j'avais la foreuse. On peut aussi monter. Alors, je sais pas si ça va aider quoi que ce soit. Wow. Eh ben. Et comment je fais pour entrer? Ah. Eh ben. Et un fusil d'un sniper en plus. S'équiper des nouvelles armes. Ah oui, non mais là je commence à avoir un petit souci moi. Bon bah écoutez. Voilà.
Où est l'armure lourde? Ah. Ben dites-moi. Alors vous l'avez vu, on a quand même un emplacement assez limité. Au niveau de l'inventaire, mais bon. Je l'avais tué. Bon, conteneur. Je vais essayer de tout prendre. Oh, ça va. Lance-roquette. Mitrailleuse. Waouh. Allez, en avant pour le hangar A. Donc, il va me falloir beaucoup, 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 beaucoup de choses. L'un c'est 21-21, l'autre c'est 12-12. Je suis plein. Bon, dites ça, je vais l'enlever parce que en fait j'en ai pas besoin.
Alors, placez d'abord les appareils et dispositifs dans l'emplacement en bas entre les deux flèches. Chaque entrée de ce type produira des ressources et réduira le temps total de production. J'ai tout mis. D'accord. Première vue, on est parti. 3 minutes. J'ai pas les codes. Difficile de se déplacer comme ça. Ah zut. Pénible. Donc on a les tourelles qui explosent tous les monstres. Il en reste encore. Eh ben dites-moi, il y en a même énormément. Hein. Bon. Thank you.
Un peu d'air frais pour le hangar, ou pas d'air du tout, oui, effectivement. Alors. J'avais pas activé mon casque. Bon, je sais toujours pas comment je génère le vaisseau, moi. Je l'ai fait déjà. Il est où? Il est terminé. Ah, voilà. Le mettre en face. Hein. Vous voyez pas? Pourquoi il est si haut? Allez au conteneur, ouvrir le conteneur. 99.07. Tout remplir. Carburant, oxygène, munitions. Tout remplir, tout remplir, tout remplir. Activer oxygène. Énergie. Et on est parti. Bon, mais je vais en arrêter là pour cette seconde partie du tutoriel, je vais l'appeler ça comme ça. Vous avez vu, hein, on a un jeu complet. Comme je l'ai déjà dit, c'est pas le plus beau jeu du monde, mais c'est un jeu qui va nous permettre de faire beaucoup de choses, de crafter tout ce qu'on veut, de fabriquer tout ce qu'on veut, d'une liberté à toute épreuve, avec en plus donc des ennemis, etc., etc. La prise en main au début, pour les débutants, est un peu difficile, je dois le dire. Mais avec le temps, on va prendre le coup de main et je pense qu'il va y avoir énormément d'heures dessus. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo d'Empyrion Galactic Survival. Amusez-vous, jouez beaucoup, prenez soin de vous et à bientôt. Salut, bye bye.